Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3. Le gameplay, je sais pas du tout ce que je vais vous mettre, ça se trouve je vais vous remettre la nucléaire en famas. Ouh, j'ai un petit gameplay assez sympa mais assez long. Sûrement trop long pour le commentaire parce que j'ai un gameplay où c'est mon plus beau record de Black Ops 3. Un 140 kills je crois, solo avec ouais, 140 kills solo et une double nuque. Donc assez pas mal. En plus c'était ma première partie de la journée donc je pense pas que je vais vous le mettre, j'aimerais bien. Mais je sais pas trop parce qu'il a assez long le gameplay, tout ça, bref. Donc aujourd'hui les gars on va parler d'un sujet assez spécial, d'un sujet assez... qui me fait chier à en parler, mais bon enfin, qui me fait chier c'est clairement moi qui le veux, mais bon. On va débattre là-dessus et après à la fin je vais vous demander ce que vous en pensez et dites-moi vos réponses à vous dans les commentaires. Car ça va être vraiment important pour la suite de la chaîne YouTube, vos commentaires à vous et ce que vous en pensez. Donc comme vous avez pu voir au titre, j'arrête YouTube. Donc c'est pas une blague, hein, c'est vraiment la vérité. J'arrête YouTube ou presque, parce que je vais vous demander à vous ce que vous en pensez. En fait le problème c'est que je joue plus du tout à Black Ops 3, j'y joue plus du tout. Et comme vous pouvez voir... j'ai sorti une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc je joue à fond à Minecraft en ce moment. Je suis revenu sur Minecraft en force si je peux dire. Donc je fais que du Minecraft H24 hein. Call of je n'y joue plus du tout parce que ça m'a saoulé. J'ai plus forcément l'envie d'y jouer et du coup voilà. Et le problème c'est que quand on regarde mes vidéos, je suis à peu près pas mal. Genre mes vidéos 150 vues, 75, enfin je parle pour mon nombre d'abonnés hein. 110, 130, il y a quoi, 70, 130, 75, et j'ai sorti une nouvelle vidéo de Minecraft, et là, 40 vues, tu vois, du coup, c'est là que ça va venir, parce que vu que je fais plus de Call of Duty, et je fais plus que du Minecraft, comment je vais faire pour vos uploads de vidéos, comme vous pouvez voir, ça fait déjà 5 jours que j'ai upload, que j'ai pas upload de vidéos, donc je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, et c'est pour ça que je vais vous demander à vous. Je vais vous dire deux trucs. Donc déjà je me suis créé une nouvelle chaîne YouTube. Donc je vous la mets à l'écran. Je vous invite clairement à aller vous abonner si vous voulez continuer à voir une vidéo. Et ça va être une chaîne franchement plus plus calme si je peux dire, parce que c'est vrai que sur mes vidéos à moi je suis vraiment maintenant dans les débuts je m'en foutais complètement, genre avant je pouvais dire nique ta mère tout ça dans les vidéos, j'en avais rien à foutre et insulter clairement avec des potes. Et franchement maintenant je regrette, je me dis ça sert un peu à rien parce que au début je voulais me créer comme ça ma personnalité tu vois, mais je me dis au final ça sert un peu à rien parce que je pense pas que les gens c'est ce qu'ils aiment. Et du coup c'est pour ça qu'en même temps vu que je fais que du Minecraft je voulais me recréer une chaîne Minecraft que j'ai créée d'ailleurs, j'ai sorti une première vidéo dessus donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo, vous me dire ce que vous en pensez et vous abonner si vous aimez bien du Minecraft. Donc ça va être une chaîne vraiment basée que sur du Minecraft et là en ce moment du coup vu que je fais plus de Call of Duty comme je vous ai dit, vous me conseillez quoi, de continuer ma nouvelle chaîne YouTube ou de continuer malgré tout à upload des vidéos sur de Minecraft sur ma chaîne entre guillemets Call of Duty, parce que maintenant je fais vraiment plus que du Call of Duty et du coup voilà. Ou tout simplement je continue ma nouvelle chaîne YouTube. Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Sachant que je vais revenir sur cette chaîne là parce que je vais faire du Call of Duty quand Infinite Warfare et Code 4 vont sortir. Je vais fumer Call of, je vais bien l'attaquer quoi. Pour XP un maximum quoi. Pour l'instant je fais une pause Call of, c'est bien de changer de jeu. Mais du coup le problème c'est que moi j'ai une chaîne YouTube derrière et c'est ça qui est assez contrariant pour changer de jeu, parce que quand t'as pas de chaîne YouTube tu peux aller sur tous les jeux que tu veux, t'en as rien à foutre. Mais quand t'as une chaîne YouTube, eh bah t'as pas forcément, comment dire, si je peux dire, l'envie. C'est comme un youtubeur Minecraft, prendre IP hein. Tiens j'ai vraiment pas envie de jouer sur le let's play, cette map me saoule, j'ai pas envie de, il se dit ça, j'ai pas envie. Mais derrière d'un autre cas il est obligé parce que tu vois sa chaîne c'est du Minecraft, s'il dit comme ça ses abonnés du jour au lendemain j'arrête le let's play, il peut pas, il a pas le choix, il est obligé de continuer sa chaîne, son let's play mécanique par exemple, parce que c'est l'une des séries phares de sa chaîne, c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, c'était un exemple tout bête, je pense pas que vous connaissez parce que vous êtes plus sur du Call of, moins sur du Minecraft. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je vous ai mis un exemple banal. Du coup moi j'ai
plus envie de jouer à Call of Duty et je vais pas me forcer parce qu'encore si j'aurais un nombre d'abonnés assez conséquent et des nombres de vues assez conséquents sur des vidéos, si je me dis bon allez je vais me forcer, je vais sortir cette vidéo là, je vais retourner sur Call of, je sais que ça va faire plaisir aux gens et je vais avoir des vues tout simplement, je vais avoir une bonne audience, une bonne communauté qui me suit. Mais bon tu te dis, c'est pour faire une vidéo de 100 vues maximum avec toujours pas des commentaires qui est au top. Bah ça m'intéresse pas, ça donne pas l'envie aux youtubeurs forcément. Ce serait vraiment bien aussi qu'une communauté elle encourage son youtubeur jusqu'où, même si c'est tout, sur toutes les vidéos par exemple, elle va nous dire GG dans les commentaires, continue comme ça, c'est très bien ce que tu fais, tout ça, rien que ça, je sais pas si vous vous rendez compte. Après pour moi bah ça fait plaisir aux youtubeurs par exemple. Bon après c'est sûr quand t'as des millions d'abonnés tu t'en fous un peu parce que t'as déjà tout tracé quoi. Mais quand t'es un petit youtubeur ça te fait plaisir et tout, bref, donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire en tout cas. Je vous mets le lien dans la description, je vous mets ma chaîne à l'écran, vous avez juste à cliquer dessus. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo et vous abonner à cette chaîne. Bref, moi je vous dis à la prochaine, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde, peace.